très très profitable de travailler régulièrement pendant ces longues vacances. Un verre à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je goûte au plaisir de ne rien faire. C'est fini la récré, tout sort en s'il vous plaît. J'entends la cloche de l'école. Alors, veille de la rentrée ou pas, je prends toujours un café en fin d'après-midi, j'adore ça. Et parfois, je prends un café glacé, et donc dans ces cas-là, je mets juste plus de lait que d'eau chaude dedans. Parfois, je prends quelques photos pour Instagram ou pour mes miniatures, pour avoir un peu des images si je n'en ai plus. Je vais aussi beaucoup taffer sur mes montages, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et tant que j'ai pas énormément de devoirs, j'essaie de me donner à fond sur les montages. Et à chaque fois, je passe ma vie à nettoyer mes lunettes parce qu'elles sont dégueulasses et c'est insupportable. Je monte avec Filmora pour ceux qui ne savent pas. Bon, alors, je mange souvent très tôt, à l'heure des poules, c'est-à-dire qu'à 19h00, souvent, je commence à faire à manger. Et je prends, on va dire, les restes, surtout en ce moment. Donc voilà, là je sortais du fromage de chèvre, des œufs, des gnocchis, parce que j'adore les gnocchis comme vous le savez, et des légumes surgelés, donc là c'était des épinards. C'est hyper simple, je mets juste les gnocchis dans la poêle et les épinards au micro-ondes. Et puis après je vais rajouter un œuf pour les protéines et voilà, je vais tout mélanger dans une poêle avec un petit peu de fromage de chèvre à la fin. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Ensuite, je vais manger, quel plaisir. Souvent en regardant une série, parce que je me vois pas trop faire du montage en mangeant, et en ce moment je regarde Outlander, et c'est vraiment trop trop bien, et moi qui adore l'Écosse et tout, voilà. Je suis trop contente d'avoir découvert cette série. Bon, ensuite je vais prendre ma douche. Ce jour-là je me suis pas lavé les cheveux, mais je voulais quand même vous montrer ce que je fais. J'utilise tout d'abord un produit Garnier qui m'a été envoyé. Voilà, c'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que je l'utilise vraiment. Et après un second produit Garnier que cette fois-ci j'ai acheté moi-même pour blondir les cheveux, mais je sais pas encore s'il marche puisque je l'utilise depuis pas longtemps. Et après je vais me brosser les cheveux. Je vais ensuite faire mon sac, c'est hyper simple. Je vais mettre principalement mes papiers, un masque maintenant, du gel hydroalcoolique, ma trousse. Et puis après, je vais réaliser encore une fois que j'ai perdu ma liseuse depuis 6 mois et que j'aurais pu être en train de lire un super livre. Mais comme c'est pas le cas, eh bien, je monte me coucher. Après, je vais chiller un peu sur mon téléphone, mais je vais essayer de pas m'endormir trop tard. Et je me connais, je vais m'endormir super tard parce que c'est super excitant la rentrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez une petite routine pour la rentrée. Moi, en vrai, c'est pas si différent que les autres jours, mis à part le fait que je suis rentrée dans mon appartement et que je suis chez moi. Donc voilà, je fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne YouTube. Restez aussi connectés, puisque la semaine prochaine, dimanche prochain à 18h, la suite de cette routine avec ma morning routine. Bye la mif!